Train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Bien, salut tout le monde, c'est Clywood et aujourd'hui on se retrouve sur pour une nouvelle vidéo, pardon, sur Hearthstone. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Hearthstone, qui vivent je ne sais où, parce que Hearthstone est très connu, c'est développé et édité par Blizzard Entertainment. Pour ceux qui ne connaissent pas Blizzard, c'est les développeurs qui ont fait Diablo, Starcraft 2, Starcraft en gros, qui ont fait World of Warcraft. Donc voilà, et Hearthstone, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un jeu de cartes. Donc où il y a énormément de cartes, je ne sais pas, il y en a au moins 500, je sais pas combien il y en a, où vous incarnez entre 9 classes. Donc vous avez le druide, le chasseur, pardon, le mage, le paladin, le prêtre, le voleur, la voleuse plutôt normalement, mais bon, bref, le chaman, le démoniste et le guerrier. Et ensuite on a les classes neutres, bon bref. Alors, donc c'est un jeu de cartes, donc j'étais plutôt sceptique envers ce jeu, puisque moi les jeux de cartes, voilà, à part Pokémon quand on était petit, faut se le dire, et Yu-Gi-Oh bien sûr, moi j'ai jamais joué aux cartes de ma vie, hein, par ça, et donc j'étais un peu sceptique, puis on m'a dit, vas-y, teste-le, tu vas voir, c'est marrant. Je l'ai testé, effectivement, c'est plutôt marrant, c'est plutôt technique, faut quand même bien réfléchir, faut aussi avoir un peu de chance, évidemment. Enfin bon, bref. Donc en tout cas voilà, donc moi ce que je fais c'est que moi j'utilise la classe paladin, donc je suis loin d'être le plus fort, d'ailleurs j'ai pas débloqué toutes les cartes, j'essaie d'en crafter ces temps-ci, mais il faut que j'en débloque. Donc là j'ai 100 d'or, donc je peux faire l'arène puisque j'ai débloqué les 9 classes. Donc l'arène, en fait je vous explique un peu les modes de jeu. Donc là on va commencer par l'arène. L'arène, on vous propose 3 héros, donc là vous avez pas le choix, vous pouvez pas prendre votre héros principal. Donc par exemple vous prenez Garrosh, voilà, et on va vous proposer entre 3 cartes. À chaque fois ils vont tirer 3 cartes dans un deck n'importe de prêtre et un deck neutre. Je vous expliquerai après le truc des decks. Et donc en fait après vous avez 3 cartes et vous choisissez l'une des 3, et au bout d'un moment ça va remplir votre courbe de mana ici. Donc des cartes qui font plus de 6 de mana, qui vous consomment 6 de mana, elles vont remplir cette jauge. Donc voilà, donc c'est ça le mode arène, c'est que vous créez un deck aléatoirement, hein, parce que c'est pas, vous le créez, mais en même temps vous choisissez pas tellement les cartes que vous avez. Vous pouvez avoir du bol de tomber sur 3 légendaires sur un deck, comme tomber que sur des cartes sorts qui ne vous servent à rien puisque vous avez aucun monstre, enfin bref, c'est impossible, mais imaginons. Ensuite on a le mode aventure. Des adversaires de niveau expert. Voilà, bon. Ils vont sûrement pas y aller mollo avec vous. C'est con. J'ai baissé juste un peu le son parce que je me demande. Oh non, ça va aller. Hop là, voilà. Alors, reprends. Donc, le mode d'entraînement, qu'est-ce que c'est? En fait, donc vous choisissez le mode de jeu. Donc là, moi je prends normal puisque j'ai que fait normal. Vous choisissez le deck que vous voulez, le deck que vous avez créé. Voilà pour l'instant. Moi j'ai débloqué toutes les classes, mais j'en ai créé que 3 parce que c'est les 3 classes qui m'intéressent. Bon, pour de vrai, c'est le paladin et le mage qui m'intéresse, mais le deck chasseur, ça m'intéressait pour les secrets, mais j'en ai pas encore. Donc voilà. Et ensuite, vous choisissez le combattant contre qui vous voulez combattre. Donc ce seront des ordinateurs. Des ordi. Et quand vous battrez toutes les classes, ça signifiera que vous les avez toutes battues, vous les avez toutes débloquées, vous pouvez toutes les jouer. Donc c'est pas très compliqué. Normalement, avec un deck jusqu'au niveau 5, je crois que normalement, vous l'avez. Donc on retourne dans le mode aventure. Vous avez le mode expert qui est beaucoup plus dur. Donc on voit un peu la différence, c'est marrant. Et là, ici, on a un mode de jeu qui s'appelle Naxar, le mode de jeu qui est là. Pardon. Et donc voilà, donc c'est un mode de jeu. Je sais pas s'il faut payer. Je suis pas sûr qu'il faut payer pour faire ce mode de jeu, mais je l'ai pas encore testé. En tout cas, c'est un peu du même type et... je connais pas trop en réalité, mais bon, c'est vous enchaînez des combats afin de buter quelqu'un, je sais pas, bon, c'est une aventure.
Et ensuite, nous avons le mode partie. Le mode partie qui est donc les parties que vous jouez contre d'autres joueurs. Les non classés, puis les classés. Les classés, évidemment, vous avez des rangs. Donc là, moi, je suis dans le rang, je crois que c'est poulet braisé, un truc du genre. Donc, il y a vraiment des noms cons. Non, c'est poulet grillé, poulet fou. Ah, je sais plus c'est quoi le nom. Bon, bref. Donc, c'est ça, Hearthstone. Ensuite, donc, je retourne dans ma collection. Oh là, il y a un petit bug. D'accord, je ne peux plus cliquer sur rien. Sympa. Bon écoutez, je fais une petite ellipse. Bon, ça va être bon. Bon, je fais une petite ellipse le temps que je me reconnecte sur Battle.net. Allez, à tout à l'heure. Eh bien, re tout le monde. Donc, excusez-moi, c'est ma box qui a crashé totalement. Donc c'est une heure après que je vous parle, en fait. Une heure après... le crash, donc j'ai un petit souci, excusez-moi. Donc là je pars en aventure pour vous montrer, j'espère que ça va pas crasher, c'est pour ça que je vais essayer d'aller plutôt vite. Donc vous avez une pioche au début, donc attendez, pourquoi je choisis déjà le deck mage, parce que c'est le mage que vous allez avoir en premier, c'est le deck que vous allez avoir en premier. Et pourquoi je choisis le shaman en face de moi, tout simplement parce que j'estime que c'est le lordi le plus intelligent et le plus fort. Donc voilà, ensuite vous avez une carte, une main au début. Soit vous avez la pièce, je vous expliquerai ce que c'est. Donc vous avez une carte en plus. Soit vous ne l'avez pas, et donc c'est vous qui commencerez. Donc au départ on vous propose des cartes, sauf que vous pouvez les remplacer si vous voulez. Donc là aucune ne me correspond. Il me faut des cartes qui ont un cristaux de mana, je vais vous montrer où c'est après. Donc voilà, et donc là déjà c'est un tout petit peu plus intéressant. J'ai la carte suprême du début. Donc le mana, vous voyez, c'est le 1 avec le diamant là. Et bien ici on va avoir nos cristaux de mana. Donc là j'en ai un, on en gagne un par tour. Et plus vous avancerez, plus vous pourrez poser de cartes. Donc là moi j'en pose déjà une. Et cette carte est très pratique puisqu'elle peut invoquer deux taunts. Donc qu'est-ce qu'un taunt? Donc c'est ce que vous voyez avec les insignes là, les espèces de contours. Là vous voyez il n'en a pas. C'est en fait, vous êtes obligé d'attaquer ceux-là avant d'attaquer les autres, donc c'est très intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va autant cligner à la vague. Voilà. Pour que je vais faire juste un match, et puis voilà. Donc vous avez aussi la vidéo de Happy Wars qui va apparaître le même jour, vous verrez. Normalement, elle va apparaître avant. J'espère que ça va aller. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux poser un autre mode. Il faut essayer de poser le plus de persos possible par tour. Le Yeti Norwa. Celui-là, va falloir l'éliminer très rapidement. Alors, vous voyez ici, vous avez le point de vie, donc la petite goutte de sang, là, un point de vie, et là c'est les points d'attaque. Le truc c'est que si j'attaque le Yeti Norwa, je vais lui infliger un point de dégâts, sauf que lui en retour, comme il est plus fort, enfin en gros, il va m'infliger 4 points de dégâts aussi quand je vais l'attaquer. Du coup, je vais perdre mon monstre, du coup ce serait inutile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser ça. On va voir ce que je pioche. Et c'est une bonne pioche. Je vais pas utiliser, je vais juste faire ça. Comme ça au prochain tour je pourrais le tuer. Alors qu'en faire une furie des vents? Qu'est-ce qu'une furie des vents? Donc ça veut dire qu'en fait il va pouvoir attaquer deux fois avec son Yeti. C'est très intéressant pour lui évidemment. Donc là je n'ai plus de taunt, ça veut dire qu'il peut attaquer mon héros ou mon serviteur. Donc on va voir. Soit. Un petit freeze. C'est une bonne carte, deux bonnes cartes que j'ai. Oh, si c'est ce que vous voulez. La pièce. Mon archer. Et voilà, là on commence déjà à les titiller des points. Donc ensuite on a le droit à un pouvoir héroïque. Donc moi c'est une boule de feu qui inflige un point de dégâts à l'adversaire que je veux. Et lui en fait il peut invoquer des petits totems. Des totems différents, donc il y a des taunts, il y a tout. Et donc c'est plutôt pratique. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va prendre une charge. Prêt à partir. Tâte de mon acier. Donc celle-là je m'en fous pour l'instant, hein. Il y a juste celui-là qui m'embête. Du coup je vais le tuer. Celui-là je sais pas ce qu'il fait, dégâts de sort plus 1. Bon, je m'en fous.
Donc voilà, vous avez compris un peu le principe du jeu. Il faut éliminer les équipes ennemies, l'équipe ennemie et le héros adverse. Évidemment, en fonction de votre classe, ça sera plus ou moins facile, parce qu'il y a des classes plus dures à jouer que d'autres. Donc le mage est une des plus faciles, je trouve. Parce qu'elle a des sorts plutôt violents. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais poser deux taunts, comme ça, il ne pourra pas intégrer le taunt. Vous voyez, là, lui, il a invoqué un totem taunt. Donc là, il commence à poser des grosses cartes. Donc là, ça va être violent. Heureusement, il peut attaquer qu'avec ça au début, et celui-là, parce qu'il vient de le poser. Déjà voilà, ça lui fait un de moins. Et nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une carte vraiment hyper forte. Vous pouvez transformer un petit monstre, un gros monstre hyper fort, ou une petite, un petit mouton tout nul. Voilà. Donc chaque carte a une capacité, il y a beaucoup de capacités. Donc là on a un joli taunt qui pose, même si c'est pas le meilleur. Je pense que c'est celui-là le meilleur, c'est le maître bouclier de Sanjin. Avoir parce qu'il est très résistant, il a 5 points de vie quand même. Évidemment, il y a moins de points d'attaque. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va on détruit ça. On peut l'inventeur gnome pour la pioche. Un autre inventeur gnome, c'est intéressant, mais je préfère un peu plus intéressant. Donc le tral, le chaman est un perso qui a beaucoup de cartes ultra fortes. C'est pour ça que je trouve qu'il joue bien. Voilà. Et ça, c'est encore une métamorphose qui est intéressante. Et c'est toujours pratique. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va... Voilà. J'espère que vous avez le son. Êtes-vous prêt pour ça ? On commence à poser une grosse carte. On va poser aussi un inventaire gnome. Pour la pioche, ok, ça c'est intéressant. Donc là on a deux taunts en main, donc le singe et le grizzly. Il pose de grosses cartes. Ah ça fait mal. Ah il m'a tellement, tant mieux. J'espère que c'est pas un taunt, c'est pas un taunt. Il m'aurait fallu buter deux taunts avant de pouvoir l'attaquer. C'est une super carte ça. Hop, le port contrôle. Gardez les yeux ouverts. Pas cette carte. Voilà, donc normalement prochain tour on a gagné, s'il ne fait rien. Il fait quelque chose d'intéressant quand même. Et voilà, toutes les choses intéressantes. Il faut le buter. Il faut absolument la voir. Voilà, donc normalement prochain tour on a gagné. C'est bon. Je réfléchis, hein, c'est pour ça. Je parle pas trop. Je vous laisse regarder un peu. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on protège toutes ces unités pour qu'ils puissent attaquer après. Et vous voyez là, j'ai deux persos qu'on attaque qui ont un pouvoir, c'est dégâts des sorts plus 1. Donc là, vous voyez qu'il va au lieu de faire 6 de damage, il en fait 8. Du coup, j'ai juste besoin d'attaquer avec celui-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt garder les yeux ouverts. De le mettre vraiment ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre très très mal et on attend le prochain tour. Voilà, et voilà, on a fini. Donc c'est comme ça que ça se passe un match Hearthstone, c'est vous détruisez l'équipe de classe. Donc là j'ai évidemment bien mené, hein, parce que c'est un bot du coup. Voilà, et du coup maintenant je vais vous montrer vite fait ce que je viens de faire, ce que je vais faire. Donc j'ai attendu exprès d'arriver au niveau 6 ou 5, je sais plus, c'est niveau 5 je crois, non niveau 6 voilà, parce que je débloque des cartes et donc je vais vous montrer. Donc là on a le deck, vous sélectionnez votre deck, on va enlever toutes les cartes, voilà, hop, hop, on enlève toutes les cartes, voilà. Donc ici vous avez toutes les cartes sort du mage, vous voyez jusqu'ici. Moi je vais sélectionner les cartes sort qui m'intéressent. Donc celle-là, 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 elle m'intéresse, celle-là m'intéresse, celle-là m'intéresse, et celle-là m'intéresse. Donc voilà, donc là j'ai déjà la moitié de mon paquet quasiment qui est en carte sort. Du coup, l'autre moitié, je vais l'utiliser pour ça. Donc ce que je fais moi, c'est que je prends deux cartes 1 et un petit gnome l'épreuve. Pour chaque deck, j'aime bien le gnome l'épreuve, c'est super fort.
Ensuite, je prends deux cartes 2. Je prends celle-là. Intéressant. Je vais prendre une autre carte 2, vite fait. Et je vais prendre cette carte-là qui est vraiment intéressante. Ensuite, je prends des taunts. Donc là, et là, il me reste deux cartes. Donc, faut une grosse carte. Et je prends celui-là, l'archimage. Et voilà. C'est comme ça qu'on se crée un deck. Donc là, c'est un deck très très vite fait. Évidemment, j'ai pas beaucoup réfléchi, mais normalement, c'est beaucoup plus long de faire un deck. Là, je me suis dit, bon, je vais prendre 2-3 trucs pour montrer, pour aller relativement vite. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, faut prendre image miroir au début. Si vous l'avez au début, c'est vraiment très intéressant. Et compléter avec des trucs, par exemple, la minuscule invocatrice, que je trouve c'est une super carte que j'adore. Parce qu'en fait, quand vous l'invoquez, les prochains monstres coûtent un point de mana de moins. Ce qui va que c'est très intéressant. Ensuite, au niveau des sorts, Nova Jive, c'est celle que je viens de débloquer. Gèle tous les serviteurs adverses, c'est vraiment une carte indispensable pour le mage. Après, il y a aussi Blizzard qui est indispensable. Mais il faut être niveau 10, je crois, 10 ou 8, je sais plus. Bon, bref. Donc, j'espère que cette petite vidéo sur Hearthstone vous a plu. Donc, j'espère que vous aimerez aussi celle de Happy World. Je vous rappelle que c'était pour la Opium Destiny. Ciao, tout le monde.